Salut tout le monde, c'est Court, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Ratchet & Clank 1 sur version PS3. J'espère que vous allez bien, enfin c'était arrêté après avoir fait... J'ai l'impression qu'on m'entend moins fort, attendez. Hop, voilà, là c'est mieux. La dernière fois on s'était arrêté, on avait fait une planète qu'on apprécie, enfin une partie de planète, puisqu'on était avec Clank là. Et on avait fait d'autres trucs et tout et machin. Et du coup aujourd'hui on va s'occuper de Pokitaro. On va commencer par ce chemin là. C'est un chemin annexe mais je préfère faire celui-là en premier. Ah mais non, attendez. Est-ce que je vais pouvoir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, non, en fait, non. On va plutôt faire l'autre truc parce que c'est... Ça sera... Enfin, ce passage-là, je suis pas sûr de pouvoir le finir si je fais pas le truc principal. Et d'ailleurs, je suis en train de penser... Attends, on va parler au mec, je vais vous raconter ça après. Bonjour. Hey, les premières têtes sympathiques depuis des semaines. Vous êtes gentils, n'est-ce pas? Bah, avec vous, oui. Mais... avec lui, non. Mes amis, j'ai un marché à vous proposer. Et depuis que les Blargues déversent leurs déchets toxiques dans notre océan, la faune s'est... transformée en mutant vorace. Oui, en quelque sorte. Tous mes clients sont partis. Ou ont servi de repas. Donc j'ai plus qu'à fermer. Mais il se trouve qu'il me reste un et un seul masque ou deux. Combien? Il est pas à vendre. Mais vous avez dit que... qu'on pouvait faire affaire. Et c'est vrai. Si vous éliminez ces vaisseaux blagues, il est à vous. Escortez-moi à l'autre bout de la station et vous pourrez utiliser notre jet. Un jet, c'est cool. Ok. Mais surtout, mon gars, tu t'avises pas de nous rouler, hein. Voilà, donc... Alors déjà, petit point. Clank et Ratchet... enfin, Ratchet et Clank se prennent toujours la tête. Forcément, ça n'a pas changé. Alors, attendez... Je vais mettre le point ravageur à la place de ça parce que j'utilise jamais. Voilà. On va se mettre bien là, on va se mettre bien. Qui se prennent toujours la tête, ils sont toujours pas réconciliés. Je sais même plus s'ils se réconcilient vraiment. Enfin genre ils vont se réconcilier c'est sûr, mais vraiment vraiment où est-ce qu'ils se prennent encore la tête dans le 2, je sais plus. Je me suis un peu... Bref. Et aussi on était obligé de faire récupérer de Gaspard parce que le gadget qu'on va avoir ça va nous permettre de conduire son jet là qui nous parle. Donc forcément on avait besoin de faire Gaspard parce qu'on avait besoin du gadget, juste les mains, hop. Alors je suis pas sûr que y aller au point ravageur soit une très bonne idée ici. Pour le coup, attendez, bon déjà vous, logique, on utilise le lance-flamme. Ça me paraît normal, par contre toi, est-ce que t'aimes pas ça? Ah oui non, le point ravageur pour eux ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors là on va... Oula. On va arriver dans des phases très agréables qu'on apprécie tous, hein. Tout joueur de Ratchet & Clank adore ce moment-là. C'est le moment, le moment où tu te fais chier, quoi. T'as rien à faire. Tu te fais chier. Ah oui, si vous galérez, voilà l'astuce, hein. Vous accroupissez ici et vous utilisez votre lance-flamme. Ça marche absolument super bien. Ça marche parfaitement. Même c'est... Bah, c'est l'astuce des speedrunners, quoi. Vous mettez ici, il n'y a absolument aucun problème. Vous êtes quasiment sûr de ne pas vous faire toucher. Parce que les poissons ne vont pas à cet endroit-là. Donc le temps qu'ils arrivent, etc., bah ils seront déjà morts avec le lance-flamme, quoi. Tout bêtement. Alors, je vais prendre ça. Voilà. Hop. On tire sur tout ce qui bouge. Ah, il y a aussi lance-flamme dans l'eau. Voilà. C'est un petit détail, mais... lance-flamme dans l'eau, quand même. Faut pas abuser. Je sais que ça peut éventuellement, si tu mets de l'essence sur l'eau et que tu allumes l'essence, ça brûle, mais genre quand même, faut pas abuser. Hop, faut pas abuser. Bref, hop, on va casser tout ça. Hop, j'ai une bombe. Comment je fais ça moi? Comme ça. Ok, alors je crois qu'il y a un boulon en or pas loin, je sais pas où c'est. Je sais plus où c'est. Ah, il y a les boulons. Ici. On voit qu'il y a des boulons à récupérer dans le sol. Mais bon. Putain, mais... Je perds de la vie bêtement. Mais bon. Je vous l'ai dit, c'est pas un truc que je ferais, hein. Très clairement. C'est un peu chiant. Ah, mais... Calmez-vous. Crevez, merde. Me faites pas chier. Putain, mais... Vraiment, vous faut les toucher deux fois pour que ça les tue. Il me semblait qu'une seule fois, ça suffisait. Ah ouais. Je suis étonnation. Oui, ça se dit étonnation. Vous le saviez pas, mais ça existe.
ça existe, et c'est même moi qui l'ai inventé d'ailleurs, au passage. Allez, on est reparti. Par contre, j'ai plus beaucoup de mun, donc je vais faire gaffe. Alors. Alors. Eh, des ennemis, là. Bon, moins il y a d'ennemis, mieux c'est. Hop. Tac. Vous pouvez aussi utiliser la griffe Tesla en mode speedrun. Bon, je vous le conseille pas parce que ça vous évitera d'a... En fait, dans le speedrun de Ratchet & Clank, le but c'est de ne pas aller dans le gadgetron. Dans le... Merde, comment ça s'appelle? Bah, le truc qui nous permet d'avoir des munes. Parce que le problème c'est que si on y va, on perd un temps fou à aller jusqu'à la mune 200 et quelques. Donc je vous conseille d'utiliser lance-flamme, mais vous pouvez aussi utiliser la griffe Tesla quand vous ferez le speedrun. Mais essayez d'économiser vos munes, quoi, en fait. Bon, certes, moi quand je fais le speedrun, je suis pas en économie de munes, hein. J'utilisais tout le temps la telt, je me faisais pas trop chier. Bon, y'a pas de problème, mais la grise Tesla ça doit aller one shot, je pense. Parce que ça fait très très mal, surtout quand elle est améliorée. Surtout quand elle est améliorée. Hop 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 hop. D'ailleurs, toutes les armes ne s'améliorent pas, hein. Je vous le dis. Je sais que le lance-flamme s'améliore, je sais que la... Merde, j'ai plus de mun. Je sais que la griffe Tesla aussi... Merde, je suis con, moi. Hop, je sais que la griffe Tesla... Non, mais ta mère. S'améliore aussi, il y a aussi, je crois, le lance-roquette... Enfin, bref. Et y a pas tout. Genre, par exemple, Merde, comment ça s'appelle? Je me souviens plus du nom. Bah ça s'améliore pas. Ça non plus, mais c'est pas des armes. Il y a un truc. Bah, le repoussant, je crois qu'il s'améliore pas. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Ouais, j'ai pas acheté l'arme que je voulais. Ah, est-ce que j'avais assez de boulons? Bonne question. Ça, je ne suis pas certain d'avoir que j'avais assez de boulons. Je ne pense pas. D'ailleurs, on va dès qu'on aura acheté l'arme. Ouais. J'ai plus que 2 points de vie. Ça sent que si je meurs, je recommence tout à 0. Hein. Donc, tu niques ta mère, toi. Toi aussi. Ouh, putain. Oula, toi t'es bugué. Hop, tu dégages. J'ai besoin de vie. J'ai besoin de vie. Hop. Allez, on va jouer safe là pour le coup. Parce que sinon, je vais me faire rouler dessus. Hop. Vas-y, vite, 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 vite. Parce que je crois qu'on se fait envahir ici. Je crois qu'il y a des mecs qui vont spawn. Pas du tout. C'est peut-être dans la version remasterisée. Alors. Bon, on y est. Alors, il est où ce jet? Là, dans ce garage fermé à clé. Un touriste se crache avec un jet et vend un procès. Je n'ai jamais eu affaire à une telle serrure. Tu l'as dit, Mister Fut-Fut. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je fais pas confiance aux touristes et la direction me fait pas confiance. Bref, on a un petit problème. Comment ça, on a un petit problème? Hé, je veux juste le masque O2, moi, hein. Si vous pouvez pas ouvrir, c'est votre problème. Alors aboule le masque ou je te fais une tête au carré. Je vois que vous voulez vraiment piloter notre jet, alors écoutez, allez voir Bob dans son robot romain. Il connaît bien ses serrures. Oui, tais-toi. Alors, bonjour, monsieur. Bien, voyons ce que nous avons là. Attention, fragile. Ah, je reconnais la griffe de l'artiste. Al est passé par là. Ouais, il a installé les lipac. C'est ce que je vois. J'ai absolument tout appris à cette vieille branche. Hé, hey, si tu veux du vrai matos de pro, je peux équiper ce petit gars avec un propulse opaque. Ouh. Et est-ce que ça peut nous aider à ouvrir le garage qui a cette serrure bizarre? Ah, vous connaissez ces machins? Eh ben, je veux que ça vous aidera. Il a un véritable super écraseur intégré. Ouais, bah t'as vraiment de la chance que j'en ai besoin pour arriver au jet, mon pote. Bon, Ratchet, il est un peu chiant quand même, hein, pour le coup. Tac, j'arrive. Je vais t'installer ça en un tour de clé à molette. Et voilà, petit gars, flambe en neuf. C'est vrai, j'ai la classe. Ouais, la classe chauve-souris. Ton propulse au pack. Oui. Alors, faut savoir que ça va aller moins haut que l'helipack si on fait ça. Par contre, on a plein de nouvelles fonctions. Genre, on a cette fonction-là. Qui. Bon, le petit défaut que je trouve dans le Ratchet, c'est que cette fonction-là n'est présente que dans le 1, dans le 2, dans le 3, etc. Quand on aura le jetpack, là, le propulse opaque, on n'aura pas cette fonction de faire ça. Et c'est dommage parce que là, on peut tirer. Faut savoir qu'on peut tirer quand on est comme ça. Mais on a des petits trucs sympathiques qu'on peut faire. Genre, par exemple, vous vous souvenez des trucs où faut les bottes gravitationnelles? Si on fait ça, sur certaines plateformes, on peut y aller juste comme ça.
Juste tu fais ça et ça fait gagner énormément de temps parce que quand il est en bot il est un peu long. Et on a aussi du coup une nouvelle fonction qui paraît qui est que dans le 1. Qui est ça. Voilà. Et du coup c'est plutôt stylé. Alors je sais pas si ça fait des dégâts aux ennemis, j'ai jamais testé. Mais voilà, et aussi, petit détail, on peut faire ça, ça, ça. Et pareil, c'est que dans le 1. Genre donner un boost comme ça en étant en hauteur. Merde. On peut faire ça que dans le 1. Et du coup il y a une astuce, c'est tu fais... attends, est-ce que tu peux faire ça, ça? Oui tu peux faire ça. Plus tard dans le jeu pour snober un boss, en gros va falloir faire ça, 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 ça. Et ça permet justement de sauter un boss. Voilà, donc je vous le montrerai pour le speedrun. S'il n'y a pas de problème. Et c'est parti pour le jet. Alors, non. C'est ça que je voulais. Hop. Hop, 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 hop. On tire sur un peu tout, on se prend pas la tête. Voilà, pas besoin de viser avec les lance-roquettes, on tire dessus. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors attends, si je vise, ça fait pas plus de dégâts. Pas du tout. Vas-y, on bourrine, on s'en fout. De toute façon, ces trucs-là, ça se détruit relativement vite. Ah, par contre, ça, pour le speedrunner, faites comme vous pouvez. Alors, moi, je sais absolument pas comment faire. Parce qu'il y a des méthodes pour speedrunner rapidement, mais moi, je sais absolument pas faire. Alors, je crois que je peux faire des spirales. Il y avait pas écrit tout à l'heure, mais il me semblait qu'on pouvait. Bon, tu vas pas me faire chier longtemps, toi. Hop, voilà, des munes. Je ne lis pas, non. Ah, et quand on détruit ces trucs-là, ça nous file des munes. La plupart du temps. Mais faut récupérer le truc de mine aussi, par contre. Hop. Allez, on tire là-dessus. Hop, 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 hop. Ça donne de la vie aussi, au passage. Cette phase me fait vachement penser à Crash Bandicoot. D'ailleurs, que Crash Bandicoot, j'ai fini le 2 et le 3. Et le 1, je n'y arrive pas. Le 1, je suis bloqué à un niveau. Mais de toute façon, c'est pas le seul niveau où je serais bloqué. Parce que j'ai déjà vu un let's play et je sais comment c'est dur. Donc je sais pas si je le finirai un jour. Parce que pour le coup, le 1, c'est vraiment super dur. Je ne l'aime pas beaucoup, le 1, moi. Pour tout vous dire. Enfin bon. Enfin, Brandt, vous allez vous calmer, vous. Voilà, tu dégages. Allez, tourne, 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 tourne. Ils sont quasiment tous morts, là. Oh, et tu me fais chier, toi. Merde. Hop, prends les munes. Voilà, je vous ai dit, je suis pas fort pour ça. Hein. C'est pas ma spécialité du tout. Hein. J'y arrive vraiment pas. J'y arrive sinon pas. Ah, d'ailleurs. FF12 est sorti aujourd'hui. Attendez-le. Ah non, il est sorti hier. Il est sorti hier, FF12. Et j'aimerais bien vous faire un let's play, mais pas tout de suite. Parce que bah déjà, faut finir FF15. Mais petit problème, j'ai trop de jeux à faire. À vous faire. Donc je sais pas si je le ferai tout de suite. Et je sais pas si. Enfin, pour l'instant, je me retiens d'acheter des jeux que je voudrais avoir pour justement. Finir déjà ceux que j'ai à finir, parce que j'en ai énormément à finir, j'ai plein de licences à faire, dont Ratchet & Clank, Jack and Dexter, je pense pas vous la faire. Si un jour l'envie m'en prend, je vous la ferai, mais je pense pas vous les faire. Je vous ai déjà fait le 1 en vidéo spéciale. Spéciale un an de la chaîne, je crois. Bon, tu. Mais, merci. J'ai plein de FF, j'ai plein de cash, bah tous les cash. C'est pas le choix, hein. Et voilà. Bah c'est pas trop tôt. Oui. Tous les caches, tous les Ratchet & Clank, quoi d'autre? Par contre, passe pas par là. Ça va prendre plus de temps si je passe par là. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? The Last of Us, que je veux faire depuis énormément de temps. Pas mal de Tales of. Tales of Xillia 1 et 2, Tales of Zestia, Tales of Berseria. Star Ocean 5, que j'avais commencé, mais que j'avais voulu recommencer parce que... J'avais fait 3-4 épisodes, puis après j'y avais pu jouer pas. Putain, mais c'est vachement cher! J'y avais pu jouer pour la simple et bonne raison que j'étais sur FF14 et que FF14 faut s'abonner. Je me suis abonné à moi, donc j'ai tryhard, j'ai fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Du coup, il y a ça. Ah, maintenant je peux respirer sous l'eau, du coup, bah ça me paraît logique. Y'a quoi d'autre que je voulais vous faire comme let's play? Tac 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 tac. Bah, les FF par exemple. Enfin, par exemple. Tu vas dégager s'il te plaît. J'ai oublié d'acheter les munes. Bien joué. Bien joué. Bah, attendez. Ah, bah, attendez, on va se suicider, tiens. Parce que j'ai plus beaucoup de vie non plus. Ah, vas-y, tue-moi. Bah, FF. Du coup, je vous ai fait le 13. Y aura le 13-2 Lightning Returns. Par contre, je les ai pas achetés. Hein. Je voudrais que je les achète ceux-là. Donc FF13-2 et Lightning Returns, FF10, FF10-2. J'ai tout, j'ai presque tout, tac. Hop. FF15 c'est en cours.
C'est encore en plus à 100%. Hop. Ça, c'est un bon choix. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Putain. Ah oui, putain, c'est le lance-flamme. Ok, normalement, je suis full partout. Donc, Kingdom Hearts tous. Mon écran s'est mis en veille, what the fuck. C'est bon, je suis là. Il y a d'autres trucs, hein. Ça s'arrête pas là. Kaya, Dark Lineage, je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui est pas très répandu, mais il y en a qui connaissent. Skeller. Alors ça, c'est, j'ai envie de vous le faire, mais je sais pas si je vous le ferai, si je vous le fais vraiment, parce que c'est un vieux jeu. C'est un jeu que j'aime bien, mais qui est vachement dur et vachement rageant, donc je ne sais pas si je vous le ferai. Je ne suis pas sûr. Ouais, bah dégage ça au final. Hop, on va mettre ça à la place. Hop. Tac, 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 tac. Y a quoi d'autre? Bah, je crois que c'est à peu près tout. Il y a d'autres jeux, hein, je vous le dis, mais je sais plus lesquels c'est. Mais sachez que pendant les vacances aussi, quand je serai bon en vacances, c'est-à-dire dans une vingtaine de jours. Bah, dans 20 jours tout pile, en fait, je crois. 19 ou 20 jours, je sais plus. Alors, toi, tu vas te mettre un là. Celui-là, tu vas me le mettre ici. Et celui-là... Ah non, ah non, merde, celui-là, il bloque. Celui-là, je dois le mettre là. Celui-là, bah du coup... non, attends. Tac. Voilà, celui-là, là. Et celui-là... Ah non, merde, ça bloque aussi, ça. Ok. Celui-là, bah tu vas le mettre là. Et celui-là, là. Voilà. Il y a d'autres jeux. Star Ocean 5, d'ailleurs... j'ai commencé un peu le début. J'étais un petit peu perdu, pour le coup. Je suis au bon endroit, là. Ouais, je suis au bon endroit. Ah, mais par contre... Ouais, voilà. Enfin, je vais mettre la flotte. J'étais un petit peu perdu dans le jeu. Je sais pas s'il faut faire les premiers avant. Genre, je sais pas si c'est comme par exemple Final Fantasy. Où genre chaque opus n'a rien à voir avec l'autre, sauf si c'est 10-2, enfin un truc comme ça. J'ai des trucs un peu perdus, mais je sais pas si c'était normal, si c'était fait exprès. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et aussi, du coup, dans la FF, il y aura aussi FF12, du coup, que j'aimerais bien vous faire, là, qui a été remasterisé. Il y aura aussi le 7, quand il sera remasterisé aussi. Le 11, j'en sais rien du tout, je pense pas. Je connais pas du tout. Le 12, j'avais essayé le début un petit peu, mais mon émulateur buguait énormément, donc je l'ai pas fini. Enfin, j'ai même pas joué, en fait, j'ai juste commencé la cinématique et ça buguait déjà dans les cinématiques, donc c'est... J'étais un petit peu niqué, voilà. J'aimerais aussi faire... les Kingdom Hearts à 100% sur la version PS4, mais pour le moment j'attends. J'attends pour la simple raison que je me dis que peut-être, enfin de toute façon déjà faut que je vous les fasse tous, ça me paraît logique. Faut que je vous fasse tous les caches avant de vous les refaire à 100% sur la version PS4 en remasterisé et tout. Il y a le 3 qui va sortir du coup, qui est prévu en 2018. Si je ne dis pas de bêtises, qui est prévu. Bon, après, je pense que ça sera plus fin 2018. Mais ça a été prévu. Il y a un nouveau trailer qui était méga badass d'ailleurs. Ouh, ça me paraissait haut. Ça aussi, ça me paraît haut. Mais de toute façon, je suis obligé d'aller par là. Hop, voilà, il va nous. Et du coup, quand le 3 sortira, je pense qu'il y aura un Kingdom Hearts. Où il y aura tous les Kingdom Hearts dedans, en fait, justement dessus. En refait, tout refait, je pense, sur un truc comme ça, mais ce sera pas, bien sûr, ça sera dans longtemps après, je pense. Mais il y a moyen qu'il y ait un truc de ce style-là, donc je vais attendre. De toute façon, j'avais pas prévu de le faire tout de suite, hein. J'ai plein d'autres trucs à faire avant, donc ça me paraît compliqué. Ah merde. Celui-là, tu vas le mettre là, du coup. Et celui-là, ici. Enfin, on verra bien, de toute façon, ça se trouve, il y aura jamais ça, mais bon. Pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat. Ça sera sûrement aussi fait en live. Si un jour je peux faire des lives. Quand je dis peux faire les lives, c'est que j'aurai plus d'abonnés que ça. Parce qu'avec 30 abonnés, j'en ai pas 30, j'en ai 37. Je suis pas sûr que les lives, il y aura beaucoup de présence et autant faire une vidéo quoi, à ce niveau-là quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas faire un live s'il y a éventuellement deux mecs qui regardent. Autant que je fasse une vidéo, tu vois, comme ça, il n'y a pas de soucis, il y aura du montage, il y aura des ellipses, etc. Ce sera plus agréable à regarder. J'ai bien fait d'aller chercher le masque d'O2 pour le coup.
J'ai bien fait d'avoir le muscle up parce que... Et oui, parce que les lives, le but c'est quand même qu'il y ait une... Qu'il y ait une... Genre, que je sois avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Attends, je vais reprendre. Attends, pause. Hop, tu prends le lance-flamme. Faut quand même qu'il y ait une interaction avec vous, quoi. Avec... à faire les... Dans les commentaires, les machins, les bidules. Je pense que... Si on n'est pas beaucoup sur le live, enfin si on est deux sur le live, voilà, c'est autant faire une vidéo et que vous mettiez un commentaire dans la vidéo, quoi. C'est... Ça reviendrait un peu au même. Il n'y avait pas une bombe? Non, il n'y avait pas de bombe. Donc, voili voilou. Voili. Pour les lives, mais ouais, les trucs comme ça, je préfère éventuellement vous les faire en live. Bon, bref. Si j'en fais un jour. C'est toujours le même problème. Ça, tu vas me foutre là, je pense, et ça, tu vas plutôt me le mettre. Merde, hop. Ça commence à être le gros bordel. Alors celui-là tu me le mets ici. Là ça gêne personne, si ça gêne. Tu vas me le mettre du coup. Là techniquement ça gêne pas, donc c'est forcément là je pense. Je crois que je suis bon. Tac, voilà, nickel. Ok, je crois qu'on est arrivé. On est arrivé, bonjour. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait là, le minou? Je cherche une substance quasiment introuvable et absolument secrète. Du raritanium? Peut-être, oui. Il paraît que les océans de cette planète en sont une source exceptionnelle. Non, plus maintenant. Et tout ça à cause du déversement de produits nocifs. Vous trouverez du raritanium pour moi. Tu peux toujours rêver. Quel camelote! Ah, ma toute dernière invention, le persuadeur. Je voulais manipuler les esprits avec, mais tout ce que j'ai obtenu, c'est une remise des vendeurs de chez Gadgettron. Mais ça pourrait m'aider, ça. Bon, je vous l'échange contre du raritanium. Il me semble qu'il y en a sur la planète Oven. Nos capteurs longue portée ne... J'avais oublié ce détail. J'avais oublié qu'on n'avait pas de... Enfin, qu'il fallait du rari. Raritanium. D'ailleurs, en notre let's play, il y aura aussi Sly 4. Enfin, Sly voleur à travers le temps pour ceux qui préfèrent. Qu'il faut que je vous fasse absolument parce que c'est mon préféré. Niveau graphique, il y a une amélioration énorme. Et puis, c'est surtout niveau histoire, je sais pas. Niveau histoire, le 4 est de loin mon préféré. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Hop. J'utilise que le lance-flamme? De toute façon, j'ai utilisé que le lance-flamme. Oui, je crois que j'ai utilisé que le lance-flamme. Ok, d'accord. On a combien de temps? Merde, attends. J'ai pas la vidéo sur moi, donc je peux pas savoir. On est à 23 minutes. On va commencer la planète qu'on aime pas. Enfin, voilà. On retourne ici, mais cette fois, on va explorer Cratchit. Je suis heureux. Niveau gameplay, c'est plus intéressant parce que déjà les bouteilles reviennent par rapport aux 3. Même si je pense que j'irai pas chercher toutes les bouteilles parce que. Le 4, enfin le voleur à travers le temps, j'ai plus envie de me concentrer sur l'histoire plutôt qu'aller chercher les bouteilles parce que les bouteilles c'est vraiment dur. C'est, dans un premier temps c'est super dur et comme je compte pas le faire à 100%, même s'il y a une petite aide bonus à la fin, comme je compte pas le faire à 100%, ça me paraît pas très utile d'avoir les bouteilles. Même si ça donne des pouvoirs, c'est pas un truc que j'ai spécialement vraiment envie de faire. Encore dans le 1 et le 2 j'avais envie parce que j'avais jamais vraiment testé, enfin j'avais jamais vraiment fait. Mais pour le coup le 4 j'ai pas spécialement envie de le faire, j'ai déjà fait une fois, ça me suffit. Pareil pour les trésors, j'irai pas spécialement y chercher, j'irai en chercher quelques-uns quand même pour le fun, mais bon. Voilà quoi, ça... Je ne pense pas, ou je pense plus me concentrer sur l'histoire principale quoi. Ça commence très bien, j'adore cette planète, je vous l'ai dit. Et aussi Gravity Rush, j'avais complètement zappé ce truc. Gravity Rush, j'ai juste fait le 2, le 1 j'avais commencé à regarder en let's play mais je l'ai pas fini. Parce que j'avais plus envie de le faire de mon côté mais je pense pas... Putain mais crève. Alors c'est eux les monstres qui sont très durs et qui sont très appréciables. Hein. Que je vous avais parlé, je crois que c'était sur le truc du méchant là. Sur la station du méchant qui voulait faire des experts, qui voulait faire... Qui avait besoin de manœuvre, voilà tout simplement. La station GTX, je sais pas quoi. on va prendre ça d'ailleurs pour eux là. Je peux pas l'atteindre d'ici. Par contre lui, faut vite le tuer. Merde. Parce qu'en fait il réveille les ennemis.
Hop. Mais bon, de toute façon, on va les tuer quand même. Wally Wallou. Du coup, je parlais de quoi? Je parlais de Sly. Ouais, Sly. Hop, tu dégages. Donc les trésors, ouais, je les ferai pas. Ah oui, il y a Gravity Rush. Je sais pas si je vous ferai le 1 pour le coup, mais le 2, j'aimerais bien vous le faire. Parce que j'ai beaucoup aimé jouer au 2. Et le 1, je sais pas en fait. Je sais pas si vraiment ça vaut le coup de vous le faire. Parce que je crois qu'on peut faire le 1 sans. Enfin, le 2 est la suite du 1. Par contre, ça c'est sûr. Par contre, je crois que c'est pas obligatoire. Genre, on peut comprendre sans avoir fait le. Le 1, parce que dans le 1, ils sont, elle est sur sa, la, enfin, la madame, et je me souviens plus de son nom, et sur sa ville natale, je crois. Non, c'est pas ça. Non, je me souviens plus. Non, elle se retrouve dans un endroit qu'elle connaît pas. C'est, il me semble que c'est... Attends, je peux pas le tuer, ça? Je peux pas le tuer, d'accord. Y'a pas de problème, je m'en casse. Bonjour. Bonjour, tu dégages. Mais mon lance-roquette, il fait n'importe quoi. Elle se retrouve dans un monde qu'elle connaît pas, je crois. Et pareil dans le 2, c'est un peu le même principe. Bon, bien sûr, le 1, je l'ai pas fini. Le 2, je l'ai pas fini non plus. Parce que le 2, je vais vous le faire. J'aimerais bien vous le faire en let's play. Donc, je l'ai pas. Je l'ai bien entamé, mais je l'ai pas fini. Mais voilà. Bon, ça sera pas tout de suite. Hein, je vous préviens. Parce que je vous dis, j'ai plein d'autres jeux à faire. Et ça, je préfère finir un maximum de licences avant d'en attaquer une autre. Même si j'ai commencé Ratchet. Mais Ratchet est une longue licence, pareil. Donc, j'aimerais bien la faire, enfin genre faut bien que je la commence à un moment ou un autre, mais genre par exemple Kingdom Hearts c'est va être la licence la plus longue parce que les FF je vais pas tous vous les faire, alors que les KH et les KH ils sont très très longs comme les FF quoi. En même temps c'est un mélange de FF et de Disney. Attends, tu vas crever toi enfoiré. Enfin voilà. Je suis en train de réfléchir, il y a d'autres let's play, je sais plus lesquels c'est. Mais j'ai taffé. Et du coup, aussi, j'en reviens aussi parce que pour les vacances, parce que je crois que j'ai pas fini mon histoire. Oui, j'aime bien m'éparpiller dans ce que je raconte. Tu vas me casser cette caisse, Ratchet? Il a pas l'air décidé. Ouais, voilà, c'est d'accord. Bon, au pire, tac, voilà, on n'en parle plus. Oula, attends, faut que je me gratte le nez, donc tu vas te calmer. Voilà. Ouf, je vais éternuer, je pense. Pour les vacances, du coup, il y aura... Normalement, si j'ai pas de bêtises, je crois que je peux pas faire plus. À cause de mon PC... Enfin, les rendus qui me prennent du temps. Il y aura sûrement 4 vidéos par jour. Pendant un mois. Ça reste à vérifier. Ça, il y aura sûrement plus, sûrement moins. Ça dépendra des jours. Mais j'essaierai de vous faire un bon truc comme ça. Comme ça, on avancera bien dans le let's play. Parce que vous avez vu le nombre de jeux que je dois vous faire. En plus je suis un peu à la bourre parce que ces jeux là sont sortis il y a très longtemps. Donc je suis entre guillemets à la bourre. J'aurais dû vous les faire depuis bien longtemps. Mais j'ai pas forcément le temps. Je vous rappelle que YouTube n'est pas mon métier. De toute façon ça se voit, hein, 37 abonnés, je peux pas en faire mon métier. Donc j'ai un métier de... Ah, je crois que je peux faire un truc avec ça. Attendez. Je crois que je peux faire un truc avec ça. Ah oui, voilà. Hop. Ah bah en plus je gagne un point de compétence. Ah bah voilà, 2 en 1. Alors là, du coup, j'ai tué le bidule qui réveille. Sniper. Je réveille les bidules qui. Enfin, ça m'évite de réveiller les bidules qui sont là. Ah, bon, tu en as un deuxième. Nice. Parfait, on les entend roupiller quoi. Oh, ça les one shot ça? Ah, ouais, ça a one shot tout à l'heure. Hein. Vous êtes témoin? Vous êtes témoin? Non mais... Oh bon, Nick. Je me casse. Non. Tout ça pour avoir un point de vie en plus. Oui, parce que là où on va, c'est pour avoir un point de vie. Ah oui, je vous ai pas dit, parce que je me souvenais plus, je crois, vers le premier ou le deuxième épisode, je sais plus, quand on avait des points de vie. Mais si, parce qu'on a eu une cinématique avec une espèce de... un espèce de distributeur chelou là. Et en fait c'est avec ces distributeurs là qu'on a de la vie. Et il y en a un sur plusieurs planètes. Je crois bah du coup il y en a 4. C'est 8 points de vie qu'on peut avoir à grand max. Je me souviens de rien en fait dans le jeu. Je me souviens de rien dans ce jeu. Je me souviens de rien. Voilà c'est ça. Ah et en plus ça me déverrouille ça. Je sais même pas.
Bon, je peux avoir de la... Ah ouais, mais... Voici un disque. Ça va. C'est... J'avais souvenir que c'était assez cher. C'est assez cher quand même, pour le coup. Mais bon, au moins, on aura un PV en plus. Je ne dis clairement pas non. Ce distributeur contient aussi des nets. Oui. Ok, putain, j'étais juste, hein. Niveau vie. J'étais vraiment juste. Niveau boulon, pas vie. Enfin bon, il y aura 4 vidéos du coup pendant les vacances, donc c'est-à-dire dans pas très longtemps. Ah non, c'est que sur cette planète du coup. Ah mais du coup, vous voyez, 30 000 boulons, ça fait un peu chéro quoi. Ça fait un peu chéro. Il me semblait que s'il y avait plusieurs planètes, ou c'est peut-être dans le 2. Non, dans le 2, c'est pas comme ça qu'on a de la vie. Il y a peut-être sur une autre planète, mais je suis pas au courant. C'est bien possible. Alors attendez. On va arriver là, on va quand même choper les deux boules en or, parce que je crois que je peux en choper deux ici. Alors, il y en a un qui se bat pas ici. Qui est... Ah, c'est pas un boule en or là-haut. Et je pouvais pas y aller en fait. Où est-ce que c'est déjà? Bah, qu'est-ce qu'il y a, chute-ca? Il y a mon chat qui est venu. Merde, c'est où? Attendez, je me suis un pu. Je sais que en passant par ici, on peut avoir un boule en or quelque part, mais je sais plus où c'est. Là, je peux pas y aller, on est d'accord. Il me semble qu'il faut faire des sauts muraux. Mais il me semble que c'est à l'endroit où bah, j'allais là, justement. Ouais, non, là c'est ici, ok. What the fuck. Laissez-moi réfléchir. Peut-être qu'il faut. Attendez, est-ce qu'il y a la plateforme qui est. Oui, il y a la plateforme qui est ici. Je peux pas. Non, je peux pas y aller. Ah, attends. Ah non, 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 je peux pas y aller, pas petit. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Du coup, on est à 30 minutes. On va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Il y a mon chat qui vient de monter sur mon. Sur une. J'ai une petite table. Genre pour mettre. Genre mon casque de VR par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Putain, je devrais vous filmer ça, c'est assez drôle. Bref, on va s'arrêter là. Chope ça. Voilà, nickel. On va se recharger en mine. Du coup, j'aurais toujours pas cette arme là, putain. Gant à l'air. Il me la faut. Bah de toute façon dès qu'on l'a, j'irai chercher quelques boulons avec le glitch. Je m'autorise à faire ça parce que je connais le jeu par cœur, entre guillemets. Je connais bien le jeu et puis je fais ce que je veux, voilà. Je fais ce que je veux parce que j'aimerais bien avoir au moins toutes les armes, je vous dis. J'aimerais bien avoir toutes les armes du jeu. Donc allez voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On continuera notre petite discussion de let's play à faire, etc. au prochain épisode. Parce que j'enchaîne un autre épisode, donc j'espère que ça a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude à ces commentaires. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!